fondateur, Daniel Evina II. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter aux questions de Kame.be en ce jour solennel de fête où le Cameroun célèbre le 45e anniversaire de son unité. Son Excellence, ce n'est pas votre première fête en Belgique. Comparativement aux autres fêtes, comment vous trouvez celle-ci? Y a-t-il une différence particulière? Non, mais vous, déjà, je dirais, quand je me moque souvent de nos compatriotes, il y a le soleil. Le soleil que nous connaissons, il y a le soleil. Non, mais vous savez, depuis un certain temps, on essaye de faire mieux. Et vous voyez le nombre de Camerounais, ça veut dire que nous organisons quand même assez bien. Et surtout, nous voulons rassembler les gens. Donc, en rassemblant les Camerounais, nous n'avons pas de discrimination. Vous venez, s'il y en a pour lui à manger pour 5, il y en a pour 10, on est au pays, nous mangeons, nous buvons et puis... Vous savez, ça fait... Je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a dit que mais lui, ça fait longtemps, il n'a plus mangé de mes Camerounais. Ne serait-ce que pour ça, ça permet de nous retrouver devant les plats Camerounais. Mais surtout, si vous avez suivi mon intervention, c'est montrer que nous sommes unis. Nous sommes unis. Il y a des soucis, il y a des problèmes, mais le fond est là, les Camerounais, il y a le vivre ensemble, qui est pour moi, je l'ai dit déjà, c'est une conquête permanente. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand je vois autant de Camerounais qui viennent de tous bords, moi, ça me fait plaisir. Je me dis, quelque part, nous pouvons les réunir. Ils viennent, ils aiment leur pays, ils font confiance à leur pays et nous sommes là. Excellence, c'est vrai, les Camerounais aiment leur pays. La preuve, ils sont venus nombreux. Ils étaient déjà nombreux mercredi. Pourquoi avoir choisi de commencer les festivités de cet état unitaire par une messe? Mais vous savez, je veux vous dire quelque chose. Les Camerounais, comme partout ailleurs, ici en Belgique, nous sommes dans tous les domaines. Il y a beaucoup de prêtres Camerounais ici et des pasteurs. Alors, Aurélien Sanico, il est venu me voir il y a quelques années, me demandant s'il peut faire la messe. Je dis, ouais, la messe, pourquoi pas. Et puis moi, on a lancé l'idée, les gens sont venus. Vous savez, la spiritualité, elle est là aussi. Et puis, vous savez, nous sommes des chrétiens chez nous, les musulmans. Il y a même les protestants aussi font un culte. Et nous organisons ça, nous faisons ça, parce que comme je dis, tout ça, comme je dis, pour moi, c'est le rassemblement, le vivre ensemble. Vous savez, au Cameroun, nous sommes un pays laïque, nous avons plein de religions, les religions cohabitent chez nous. Pourquoi pas ne pas le faire ici? Donc, pour moi, la religion, moi, ça ne me gêne pas du tout. Excellence, depuis que vous êtes arrivé, vos compatriotes vous apprécient, surtout votre style de gestion. Et qu'est-ce qui fait votre force pour que vous soyez aussi apprécié de vos compatriotes? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je le dis toujours aux compatriotes. La première fois qu'on m'a fêté comme jeune diplomate à Paris, à l'époque, le ministre Bobo Jacques m'avait reçu et m'avait dit tout simplement, il dit, Monsieur Evina, lorsque vous êtes en poste à l'étranger, le Cameroun, c'est votre fonds de commerce. Les Camerounais, c'est votre fonds de commerce. Si, alors, en commerçant, si vous n'attendez pas votre fonds de commerce, vous échouez. Et c'est la même philosophie que j'ai gardée. Je me dis, nous avons une ambassade en Belgique, c'est parce que nos autorités ont jugé utile qu'il fallait nous encadrer. Et donc, mon premier souci, c'est d'abord le bien-être des Camerounais. Je m'occupe d'eux, j'essaie de régler autant que faire se peut leurs problèmes en intervenant. Et puis, évidemment, dans un niveau plus élevé, je représente le Cameroun pour des intérêts plus grands. Mais comme je dis, tout ce que nous faisons, c'est pour notre peuple, c'est pour les Camerounais. Donc ici, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais vous savez, nous sommes la deuxième colonie en Afrique subsaharienne, appelée les Congolais, qui sont chez eux ici. Mais nous sommes la deuxième colonie après les Congolais, c'est nous. On a 12 000 Camerounais qui sont recensés à l'intérieur. C'est beaucoup. Donc, ça serait une faute professionnelle si moi, en tant que représentant du Cameroun ici, j'ignore cette colonie. Donc, comme je vous dis, la colonie camerounaise, c'est mon fonds de commerce. Et je ne peux ne pas négliger ce fonds de commerce. Et justement, vous n'avez pas négligé votre fonds de commerce. La preuve, au lendemain de votre installation, vous avez organisé une première tournée
à l'intérieur de la Belgique. Oui, mais je fais comme on dit chez nous. Le sous-préfet, quand il arrive, il fait la tournée de village. C'est la même chose. On m'a expliqué qu'il y a des concessions de Camerounais dans telle zone. J'y suis allé, je les ai rencontrés. Les Camerounais de tout bord, ils viennent de tout bord. Nous avons eu des échanges en francs, mais comme je dis, j'ai une expérience de consul. J'ai été consul pendant plusieurs années. Donc moi, je n'ai pas peur de rencontrer les Camerounais. Nous bavardons, nous dialoguons, on s'explique. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas de rencontrer les Camerounais. Même ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais je dis, le Cameroun, c'est une grande maison avec plusieurs chambres. Mais nous sommes tous dans une même maison. Et on peut avoir chacun ses opinions, chacun ses... Mais nous sommes d'abord Camerounais et c'est l'essentiel pour moi. Avec nous, la situation qui se passe au Cameroun, avec la situation qui se passe au Cameroun, et la quelle est votre opinion par rapport à ça? Non, mais vous avez suivi ma déclaration. Le chef de l'État l'a dit, dans un premier temps, le Cameroun est un indivisible. Deuxièmement, tout n'est pas parfait. Donc il y a des choses à parfaire. Mais il faut le faire en restant dans le cadre juridique. C'est-à-dire mettre en doute le côté unitaire du Cameroun, comme on dit, c'est un chiffon rouge. Le Cameroun est un État unitaire. Maintenant, à l'intérieur de cette unité du Cameroun, on peut tout débattre. Le chef lui-même l'a dit, tout n'est pas parfait. La preuve, après, c'est sous le dont vous parlez. Sur mon discours, le gouvernement a pris ce nombre de chefs d'État à demander au gouvernement d'avoir un dialogue franc avec les uns et les autres. Au niveau de l'ENAM, vous suivez la formation des magistrats. La traduction de comment Ouadan l'a fait. On a créé une structure qui s'occupe du bilinguisme et du multiculturalisme. Bref, ça veut dire qu'on a reconnu qu'il y avait des manques. Et on a lancé le défi à l'État, c'est ça. Ça s'est bâti au jour le jour. Voilà. Excellency, let us say something in English. Yes. How can you, what can you say to our Cameroonian English people? No, I can say the same thing. Yeah? Cameroon is one. Yes. We are united. We have to live together like we do in Cameroon. And it is very important for us because we are outside of our country. We need, we are living in Brexit. We have to say to show that Cameroon is united. And what I try to do is to make that all Cameroonians live together. We have to do something. We can have some problems between us. But the fact is that we can show that we have one country, one nation, united constitution nation. It is what I say. It is how Latin we have to say it is that. Monsieur le président de la France, le thème de cette année, armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun dans sa diversité. Comment appréhendez-vous la diversité camerounaise en Belgique? Non, déjà, comme je vous ai dit ici, vous voyez, nous avons déjà les responsables de partis politiques que je connais, ils sont là. Les Camerounais de toutes les régions sont là. Si vous suivez les repas déjà que nous faisons, c'est des repas, les plats qui concernent toutes les zones du Cameroun. C'est ça la diversité. On essaie de leur montrer aux étrangers, peut-être nous le savons, mais les étrangers, et je vous le dis, ils le savent toujours que nous sommes un pays diversifié et nous le montrons. Maintenant, l'armée, je peux vous sur mon sujet, dit, nous avons vu à affronter Boko Haram. Il y a la population qui a joué un grand rôle, le comité de vigilance. C'est des populations qui n'avaient que des flèches, des armes, mais c'est le patriotisme ça. Dernière question, son excellence. Oui. On ne va pas vous donner pour longtemps. Elle vous voit un message à vos compatriotes de Belgique par rapport à ce thème et par rapport à l'avenir du Cameroun. Unité. Mais, comme je dis, nous ayons confiance en notre pays. Je vous ai cité ce que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, nous avons un programme Cameroun, pays émergent en 2035. Je vous ai cité. Tout le monde sait qu'on a eu un déficit énergétique, l'eau énergétique. Des efforts ont été faits. Et maintenant, cette eau énergétique, une fois qu'elle est réglée, nous fonçons vers l'industrialisation. Donc, il y a un programme du Cameroun qui est fait pour qu'en 2035, pays émergent. Donc, moi, je dis,
soyons optimistes, soyons fiers de notre pays, nous avançons et c'est pas moi qui le dis, vous voyez la région Afrique centrale. Vous suivez la situation économique actuelle. Mais nous y sommes, on a prouvé notre résilience, nous maîtrisons, nous continuons à avoir un niveau de développement acceptable. Et je l'ai dit, comme le chef d'État l'a dit, on peut faire mieux, mais pour le moment, nous résistons. Est-ce que c'est ce message en anglais? Non, what I say, it is the same message. What I said, we are united. Cameroon and now, we have a program. We have to 2035. We know what we have to be. At this time, we are giving, now we are taking measures to achieve this program. That's what I can say. Thank you. Yes. Thank you very much. Merci. Okay.